Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 11 septembre 2021. Donc voici les grandes articulations. L'Ecofo Mouchacha 1 est encore sous les eaux alors que la rentrée scolaire est prévue ce lundi 13 septembre. Et avant de clore notre journal, comme d'habitude, on aura un invité du journal qui est M. Kaboneka Salvatore, professeur associé à l'Université du Burundi. Bienvenue dans ce journal en détail. Alors que la rentrée scolaire s'annonce pour ce lundi 13 septembre 2021, l'Ecofo Mouchacha 1 est encore sous les eaux. Des élèves demandent à l'État d'intervenir. Donate Nuivugire s'y est rendu. Certaines infrastructures étant encore sous les eaux, ces élèves sont en train d'essayer de faire ce qu'ils peuvent pour rendre ce lieu un peu viable. Nous sommes à l'école fondamentale Mouchacha 1 et 2. Mbona twige abanyeshure ntituronka aho duce kugira twinjire mu ishure rero turiko turakora dukura amazi ku kibuga kubera turonke aho duce twinjira mu ishure. Mais cette autorité ne voit pas l'avenir en rose au moment où la saison des pluies a déjà toqué. Urabona rero situation uko imeze n'ubumengo uko ndabibona turashobora gutangura kwiga mugabo ntituzi mu kwakane uko bizoba bimeze. Tous demandent au gouvernement d'intervenir pour que ces élèves puissent travailler dans les mêmes conditions que les autres. Kinini gose dusaba ko bgambere na mbere cyo kwanza dusaba yuko badusanurira amashuri ko ishuri twigiramo vraiment gararonse choke kuko amazi yaraduze gose umva umwanya n'umwanya vraiment arashura no kutugwa kwa katubomokera ko mbo ikindi naho amatoilette ameze nabi gose twosaba yuko bayatuvidurira bakadusubiriramo neza bakayakora neza kigira kabiri abana arafise umwete wo kwiga muga tuburaho twigishiriza ubutegetsi bwo dufashije tukaronka na mire base izitira hariya kuriya. L'école fondamentale Mouchacha 1 et 2 qui avait été victime des inondations au mois d'avril se trouve dans le quartier Mouchacha en zone Gatumba. Merci à Donate Niwivugire. Les courses pour l'achat du matériel scolaire s'observent au centre-ville de la capitale économique. Le pouvoir d'achat des parents est toutefois faible pendant cette période où chaque parent doit se préparer pour l'envoi de ses enfants apprenants qui commencent l'école ce lundi prochain. Patrick Kenyonguru avec les précisions. Essayant ses uniformes, les élèves se préparent pour la rentrée scolaire qui démarre ce lundi le 13 septembre 2021. Les commerçants disent que la clientèle a diminué par rapport à l'année précédente. Pourtant, les prix n'ont pas haussé. Quant aux vendeurs de cartables, la situation est presque similaire à ceux qui vendent les uniformes tenant compte de la clientèle présente par jour. Pour les parents, c'est le pouvoir d'achat qui fait défaut. D'une manière générale, on voit que la population vraiment n'a pas assez d'argent pour se procurer tous ces objets scolaires-là. Mais certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. C'est comme ça dans la vie. Pour moi, je trouve que les prix n'ont pas varié par rapport à l'année passée. Il y a de légères
variation. Parce que si je regarde les uniformes pour le primaire, le prix est resté presque le même par rapport à l'année passée. Même si je regarde les uniformes pour le milieu scolaire à l'école secondaire, il n'y a pas eu beaucoup vraiment de changement de prix. C'est seulement le pouvoir d'achat de la population qu'on remarque, où les gens vraiment, quand ils se sont tentés d'essayer, on demande le prix, tout le monde hoche la tête parce qu'on n'a pas cet argent. Certains des parents qui n'ont pas voulu être interviewés à travers la caméra nous ont dit qu'ils n'apprécient pas quelques établissements exigeant l'achat des uniformes aux écoles à des prix exorbitants. Continuons notre journal en restant dans la page de l'éducation. La campagne de dépistage des élèves relative à la COVID-19 a été lancée depuis ce vendredi 10 septembre jusqu'à mardi le 14 septembre 2021. Dans sa descente aussi de 10 quartiers, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a interpellé les responsables de ce site de privilégier les élèves. Reportage de Patrick Niyomulu. Venu pour le dépistage dans ce centre situé au sous-quartier de la zone Kamengé, tous ces individus attendent leur tour. Avec le lancement de la campagne test COVID-19 des élèves à régime d'internat depuis au vendredi le 10 septembre jusqu'à mardi le 14 septembre 2021, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida s'est rendu sur terrain et a insisté à ce qu'on privilégie les élèves. Nous allons travailler avec les administratifs, les gouverneurs au niveau des provinces et les médecins provinciaux pour pouvoir organiser pendant 4 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi, et la campagne de dépistage pour les élèves qui fréquentent les écoles à régime d'internat. Ici à ce quartier et même à Brisa dans Bon Accueil, les élèves ont répondu massivement, comme vous le constatez, et nous allons travailler et pour pouvoir permettre à ces élèves d'accéder au dépistage facilement. Et nous avons organisé, interpellé les responsables des sites de privilégier les élèves, tandis que les habitants, la population générale, pouvaient toujours consulter, se faire dépister dans les sites intégrés dans les hôpitaux. Une des élèves qui a fini à se faire dépister dit que tout est allé bien. Au même moment, un parent pense que ses enfants ne vont pas avoir la chance d'être dépistés vu qu'il y a une foule. Nabonye yuko mengo bamaze gutangura kuba fatigue nariko ndiyumvira yuko noronka mpavanza gutaha ntahanyama nimero kugira ejo nshobore kuzinduka nshobore kwipimisha hanyuma nasanze binagoye uko niko nababona bari febre cyane kuburyo umuntu ava a proceda la vie privée kugenda kwipimisha ku bantu basanga bari hisha kubera nibaza ko bari benshi ngaha kubera ata amafaranga bari hisha. 400 certificats de dépistage ont été délivrés jusqu'à midi de ce vendredi avec moins de 10 cas positifs à ce site de ce quartier. Et avant de clore ce journal, le phosphore étant en faible concentration dans le sol burundais, il est primordial de tenir compte du rapport carbone-phosphore dans la production des fertilisants. Salvatore Kaboneka, professeur à l'Université du Burundi, est notre invité du journal. Suivez-le. C'est le deuxième élément le plus important en termes quantitatifs pour la production agricole. L'azote, c'est le tout premier et le phosphore, c'est le deuxième. Mais le phosphore, c'est la source d'énergie. L'énergie, c'est ça qui vous permet de bouger, c'est ça ce qui permet de marcher, de parler. C'est l'énergie. La plante aussi a besoin d'énergie pour croître, n'est-ce pas? Pour résister au vent et tout ça.
Et l'énergie, la plante la trouve dans le phosphore sous forme d'une molécule connue. On appelle ça ATP, adénosine triple phosphate. Alors si l'énergie n'est pas suffisante, si vous voulez, au niveau de la plante, elle ne va pas puiser l'eau, elle ne va pas puiser les éléments nutritifs, elle ne va pas croître, elle va crever. Et donc ça, c'est fondamental. Ça, c'est un des rôles. Il y a d'autres rôles, notamment du côté génétique, n'est-ce pas? La base génétique, justement, il y a, le phosphore est un des éléments qui sont à la base de la génétique des plantes, n'est-ce pas? Le phosphore dans le sol n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Mais les engrais, c'est ça, les engrais phosphorés. Et si vous voulez encore une fois une justification, comme quoi le phosphore, c'est le facteur limitant la production agricole au Burundi et dans les sols tropicaux de manière générale, regardez les formules de fertilisation qu'on recommande. Je peux vous dire, pour le haricot par exemple, il vous faut par hectare 18 kg d'azote, mais 46 kg de phosphore. Donc, vous mettez plus de phosphore que d'azote, parce que le phosphore, il est important, oui, mais c'est parce qu'il n'est pas suffisant dans le sol que vous en ajoutez. En deuxième exemple, prenez la pomme de terre. La formule dit 60 kg d'azote, 60 kg de potassium, mais 90 kg de phosphore. Ça vous indique que ce phosphore n'est pas disponible, il faut en ajouter beaucoup, pour deux raisons. Non seulement il est déficient, mais en plus, il est susceptible d'être fixé par certains composés qui se trouvent dans le sol, comme l'aluminium et le fer, sous forme de phosphate. Donc, en fin de compte, cette fertilisation phosphore, vous vous dites, la plante aura besoin d'une certaine quantité pour croître, et pour que ces aluminiums et fer dans le sol ne prennent pas une partie de ce phosphore dont la plante a besoin, nous en rajoutons pour servir l'aluminium et le fer et mettre à disposition de la plante tout ce qui est nécessaire pour sa croissance. Autrement dit, les fertilisations ici au Burundi sont toujours élevées en phosphore, sauf pour le riz. Et j'ai quelques travaux que j'ai effectués effectivement avec des adjuvants minéraux. J'ai ajouté une certaine quantité d'azote à la paille de blé et j'ai ajouté le phosphore à la paille de blé pour voir leur décomposabilité. Et j'ai pertinemment vu que c'est le phosphore, lorsque vous l'ajoutez, augmente la décomposition. Ça veut dire que c'est le facteur le plus limitant. Et alors, je persiste et signe que dans les études ultérieures, je l'ai suggéré même, qu'à côté du rapport carbone-azote, il faut ajouter le rapport carbone-phosphore que nous considérons, sur base de nos connaissances scientifiques, comme le facteur indicateur de la qualité des matières organiques. Ben, la recommandation, c'est connu. Hein? C'est connu, le phosphore, c'est l'élément le plus important. Les mycorhizes qui sont associées au titonia, par exemple, permettent de solubiliser. Solubiliser, ça veut dire disponibiliser. Mettre dans la solution du sol ce phosphore fixé. Et la matière organique est très importante. Donc, fertilisation phosphorée, oui, les engrais, mais application de la matière organique aussi, c'est très important. Parce qu'indirectement, ça libère ce phosphore fixé par l'aluminium et le fer. Nous parlons de sol acide, mais dans le sol alcalin que nous n'avons pas ici, disons, ça fonctionne de la même manière. Solubilisation du phosphore dans les sols alcalins, ça se trouve sous forme de calcium et de magnésium. Et donc, on solubilise. Et le phosphore qui est soit fixé par l'aluminium et le fer dans les sols acides ou fixé par le calcium et le magnésium dans les sols alcalins, que nous n'avons pas beaucoup, c'est dans la plaine, libère ce phosphore pour la plante. Fertilisation organominérale qui s'applique au phosphore et à d'autres éléments. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, même heure, pour une autre édition. Bon week-end à tous.